Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous en ce début de matinée. Je ne pourrais hélas pas rester pour vos travaux. Donc je suis Bruno Ricard, le directeur des Archives nationales. Donc très heureux de vous accueillir ici aux Archives nationales. Très heureux d'accueillir Jean-Philippe Legoix, que je connais depuis longtemps dans ses activités-là, mais également comme ancien président de l'Association des archivistes français. Je sais que Anthony Mouton va nous rejoindre, donc le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je sais aussi que la présidente, nouvelle présidente de l'UNEF, Imane Ouelhadj, viendra aussi cet après-midi, de même que le président de la FAGE, Étienne Matignon, et le coprésident du GERM qui est peut-être ici. Voilà, bonjour, bonjour Monsieur Mordaire. Donc voilà, je vous salue tous. Je salue aussi Magali, ma collègue, qui est votre référente ici aux Archives nationales. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la 14e journée Archives, Recherches et Mémoires étudiantes aux Archives nationales. 14e journée, on voit bien que ça s'inscrit dans le temps long, dans une longue tradition de journée d'études avec les Archives nationales, puisque la première réunion s'est tenue ici même, le 13 décembre 2013, c'est-à-dire quelques mois après l'ouverture du site de Pierrefitte des Archives nationales, puisque c'est en début d'année 2013 que le site a été ouvert au public et inauguré par le président de la République de l'époque, François Hollande. Cette ouverture du site de Pierrefitte nous a permis d'élargir notre politique de collecte d'archives, d'archives publiques et d'archives privées. Et c'est ainsi qu'on a reçu déjà quelques fonds dans le cadre du partenariat dont je reviendrai, parce qu'effectivement, cette fidélité, elle s'inscrit, elle est le fruit de plusieurs conventions scientifiques. La première a été signée en 2013 avec le SIAF, le Service interministériel des Archives de France, nous-mêmes, Archives nationales et la Cité des mémoires étudiantes. Et puis, très récemment, on a signé une nouvelle convention, le 12 avril 2022, en fait, deux conventions articulées l'une à l'autre, une entre les Archives nationales et la Cité des mémoires étudiantes, et une autre entre la Cité des mémoires étudiantes, les Archives nationales et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette coopération a pour objet de sauvegarder, de sauver, de classer, de conserver dans de bonnes conditions et de communiquer aux chercheurs les archives privées issues de militants ou d'organisations militantes et étudiantes. Et plusieurs fonds ont déjà été déposés aux Archives nationales, 5 fonds en 2014. Le fonds de Prisca Bachelet, de Luc Barré, François Borella, Paul Boucher ou Pierre-Yves Cossé. Et tous sont, les inventaires sont tous accessibles dans notre salle des inventaires virtuels. Et peut-être de nouveaux fonds vont-ils rejoindre les Archives nationales prochainement. Le but, effectivement, c'est bien de constituer une mémoire, mémoire étudiante. Leur présence aux archives nationales me paraît tout à fait fondamentale, dans la mesure où nous conservons aussi, et d'abord, oserais-je dire, les archives publiques issues du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, issues également des services de Matignon, issues de la présidence de la République, issues du ministère de l'Intérieur. Donc autant de sources publiques qui apportent un éclairage. Bonjour. Bonjour. Qui apporte un éclairage, mais qui apporte pas tous les éclairages. Et donc, il est fondamental qu'il y ait aussi l'éclairage d'archives privées, d'archives associatives, d'archives de militants, pour pouvoir croiser les différentes sources et écrire l'histoire la plus exacte possible, la plus complète possible. Demain, nous aurons un autre colloque dans cette salle dont le titre s'intitule, le titre est Fantôme d'archives, archives fantômes. Et en fait, ce que je peux dire, c'est que sous ce titre un peu étonnant, le fantôme d'archives, c'est d'abord l'archive qui n'existe pas, l'archive qui a été perdue, l'archive qui est quelque part mais qui n'est pas accessible. Or, il ne faut pas que les archives privées des mobilisations étudiantes, comme d'autres archives privées du mouvement, de l'engagement de la société, se perdent, soient perdues. Il faut effectivement qu'elles soient conservées, communiquées aux chercheurs.
Et le fait qu'elle soit aux archives nationales, moi, je pense que c'est une garantie, puisque notre institution, d'une part, est une institution qui applique les textes, qui fait preuve de déontologie et de neutralité, et d'autre part, étant conservée ses archives privées, étant conservée aux archives nationales, elle côtoie les archives publiques. Et les chercheurs qui travaillent sur cette histoire, ces chercheurs, quand ils viennent en salle de lecture ici, peuvent à la fois consulter les archives publiques et les archives privées qui sont déposées chez nous. Donc voilà, je me réjouis donc de ce partenariat qui a été noué il y a plus de 10 ans maintenant, du gros travail que vous faites, puisque au-delà des fonds que j'ai cités, des fonds de militants, je n'oublie pas que les fonds associatifs sont très volumineux et sont pour certains d'entre eux, déjà à la Cité des Mémoires étudiantes, je pense au fonds de l'UNEF pour la période 2001-2010, mais également de l'UNEFID, le fonds de la FAGE ou de la Fédération Sud étudiants-étudiantes. Et on voit bien que là, on passe à une autre échelle, puisque au-delà des fonds de personnes, de militants, on a des fonds d'associations. Alors, pour en connaître d'autres, je sais qu'ils sont toujours très volumineux, que le temps de traitement est de ce fait long, mais c'est absolument indispensable de conserver ces fonds, de les transmettre aux générations futures, d'abord aux chercheurs d'aujourd'hui, hein. Certains d'entre vous sont présents dans cette salle et vont intervenir aujourd'hui, mais aussi aux générations futures, puisqu'on travaille aussi sur le très long terme. Le document le plus ancien conservé ici est un diplôme sur papyrus de Lothaire II, alors qui n'est pas très connu, c'est surtout ton fils qu'on connaît, puisque c'est le bon roi d'Agobert. Mais tout ça pour vous dire qu'on conserve des documents qui ont plus de 1000 ans, qui ont près de 1500 ans. Et les archives qu'on collecte aujourd'hui, ici, les archives contemporaines, elles ont aussi vocation à être conservées sur des dizaines, des centaines et des milliers d'années. C'est donc notre mission, cette transmission générations futures. Et ce sont les garanties qu'on essaie d'apporter, en tout cas sur les dizaines, centaines d'années à venir, je pense que on peut s'engager sans trop de difficultés, mais effectivement, on a une perspective encore plus vaste. Donc voilà, je voulais vous remercier, te remercier Jean-Philippe. Vous aurez une journée très riche, tout d'abord en passant en revue les nombreux projets qui sont en cours, avant d'évoquer les regards audiovisuels croisés sur les UNEF d'avant 1989. Effectivement, les archives, ce n'est pas uniquement les documents écrits. Il y a beaucoup de typologies documentaires, et notamment les témoignages oraux ou l'audiovisuel. Et cet après-midi, vous aurez 3 ateliers sur l'international, les élections et le fonctionnement. Donc, elle s'annonce très riche cette journée, je vous souhaite d'excellents travaux. Merci à toutes et à tous. On est encore une fois très heureux de vous accueillir ici, cette maison est la vôtre. On laisse la parole à Antoine Litton pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour à tous. Excusez-moi du retard également. Donc, monsieur le directeur des Archives nationales, monsieur Jean-Philippe Legois, cher Jean-Philippe, madame Casapi, je ne sais pas si madame Casapi. Non, je m'appelle Antoine. D'accord. Elle est avec nous en pensée. Voilà, donc je pense également. Donc en tout cas, on voulait vous remercier de nous avoir invités pour cette 14e journée Archives, Mémoire, Archives, Recherche et Mémoire étudiante. Donc ici, dans ce formidable bâtiment, je serais ravi à titre personnel de visiter à une autre occasion. Mais en tout cas, voilà, merci pour cette invitation. Donc, il est important pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de soutenir la valorisation des ressources documentaires ainsi que l'archivage des mouvements étudiants sous toutes leurs formes. Nous considérons que la valeur historique et mémorielle des archives des mouvements étudiants participe pleinement à la mémoire de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la Recherche. C'est pourquoi nous nous soutenons et nous avons soutenu le travail de la Cité des mémoires étudiantes. Il a un intérêt certain à ce que la mémoire du mouvement étudiant, tant du point de vue de son action et de son évolution, soit mise en avant et protégée pour aujourd'hui et pour effectivement les générations futures. Le travail mené par la Cité des Mémoires permet de retracer l'histoire de moments forts qui permettent de comprendre les enjeux sociétaux liés à la vie étudiante, mais également les évolutions des notions de vie étudiante. On parle aujourd'hui assez régulièrement d'expérience étudiante. On voit que le terme évolue aussi dans le temps. Les enjeux sont donc nombreux et majeurs. On peut citer parmi eux notamment la représentation de nos étudiants et étudiantes via leurs organisations,
leur capacité à porter haut et fort leurs revendications et parfois, on le sait bien dans notre ministère, à orienter la politique publique. L'engagement de ces étudiants et étudiantes toujours plus ambitieux et novateurs est source d'inspiration pour bon nombre de nos jeunes. Et depuis une vingtaine d'années, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche soutient et valorise l'engagement étudiant, justement, sous des formes diverses et variées. C'est entre autres à travers cet engagement que les étudiantes et étudiantes développent une ouverture d'esprit, renforcent le lien social et la solidarité entre pairs, ainsi que la prise de responsabilité progressive. L'engagement étudiant, on le sait ici, n'est pas toujours chose aisée, mais participe néanmoins à un certain épanouissement personnel, à une construction de soi, et peut représenter à ce titre un facteur important de bien-être et de réussite. Au cours des 10 dernières années, l'engagement étudiant s'est transformé. Il s'est diversifié, il s'est multiplié, et on a vu émerger de nouvelles thématiques, notamment la sensibilisation aux enjeux environnementaux, mais aussi la lutte contre les discriminations, ou encore l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rôle structurant et crucial des jeunes engagés participe à forger des citoyens et citoyennes d'aujourd'hui libres et éclairés et qui s'engageront également sans doute dans la durée. Nous avons conscience aussi que lorsque le ministère consulte régulièrement les organisations représentatives étudiantes, et je pense ou j'espère que certaines sont présentes ce matin, lorsque nous les consultons, par exemple sur la santé étudiante récemment, sur les bourses ou sur la vie de campus, le ministère donc participe à l'histoire des mouvements étudiants d'aujourd'hui et nourrit du coup votre travail de demain. Le soutien aux missions de la Cité des mémoires étudiantes, donc à savoir la sauvegarde et la valorisation des archives, ressources documentaires et mémoires liées aux engagements étudiants s'est avéré indispensable. La Cité des mémoires étudiantes souhaite aujourd'hui aller encore plus loin en soutenant ce patrimoine spécifique par le biais d'expositions, notamment itinérantes, de publications, mais aussi grâce à des initiatives scientifiques et patrimoniales, à la collecte et à la valorisation d'archives orales. Cette diversification de leurs actions permettra de démocratiser plus d'un siècle d'histoire du mouvement étudiant, et nous nous réjouissons de pouvoir accompagner l'association dans ce travail mémoriel. Et pour ce faire, dans le cadre d'une convention renouvelée entre notre ministère et la Cité des mémoires étudiantes, cette dernière a pu récemment procéder au classement des archives de l'UNEFID de 1980 à l'an 2000 pour transfert aux archives nationales, mais également classer les archives de la FAGE de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Et comme vous l'indiquez ou comme vous l'indiquerez ce matin, parce que j'ai loupé le début de l'introduction, vous apprêtez désormais donc à la classification des archives de l'UNEF entre 1971 et 2001, 2001 étant la date majeure pour l'UNEF, étant le congrès de réunification, dont je me souviens avoir connu en tant qu'étudiant à l'époque. Nous nous félicitons de ce travail précieux et fastidieux qui permettra de sauvegarder et de valoriser l'histoire des grands mouvements étudiants français. Et les échanges et témoignages de cet après-midi avec les acteurs des 30 dernières années devraient effectivement être riches d'enseignements. Donc pour conclure, j'adresse à nouveau mes sincères remerciements à Jean-Philippe Legois et Johanna Casapi, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui contribuent avec vous à ce travail mémoriel. Vous pouvez compter sur le soutien exigeant et attentif du ministère que je représente aujourd'hui. Merci pour votre attention et vous souhaite à tous une bonne journée de travail. Merci beaucoup vraiment à tous les deux. Merci à Anthony, merci à Bruno, merci à vos institutions, le ministère et les Archives nationales, parce que effectivement, c'est la 14e journée Archives, Recherche et Mémoire étudiante. Et ça s'inscrit dans une longue histoire qui a un peu rappelé Bruno Ricard. Mais effectivement, on est là au moment d'une nouvelle phase avec une convention tripartite qui réunit nos institutions, nos structures et qui permet effectivement de passer à une nouvelle étape puisque jusqu'à présent les fonds qui étaient déposés aux Archives nationales, c'était des fonds personnels de militants, des fonds individuels qui sont importants et qui
effectivement font partie de cette mémoire aussi, et ça fait partie aussi de notre programme de travail. On en parlera tout à l'heure avec l'exemple de Jacques Delpy et de Pierre-Marc Lachaud, mais c'est vrai que il y avait une étape à franchir pour pouvoir s'attaquer à des plus grands continents archivistiques comme les archives de l'INEFIDE, de l'AFAGE et à venir de l'UNEF 1971-2001. On va y reparler, en reparler évidemment cet après-midi. Ce que je voulais dire en introduction, c'est que ce qui est important aussi à souligner, c'est que dans nos nouvelles conventions, on a les fonds d'archives de militants, on a les fonds de structure, et effectivement, il y a aussi les archives orales, les archives audiovisuelles qui sont maintenant intégrées dans nos objectifs. Et c'est important parce que, vous le verrez tout à l'heure, il y a là aussi un gisement documentaire qui n'est pas à négliger et qui est peut-être encore à sauvegarder dans certains cas. Dernière chose, là vous êtes dans la 14e journée Archives, Recherche et Mémoire étudiante. En fait, pendant très longtemps, ces journées se sont appelées Journées Archives et Mémoire étudiante, et c'est seulement depuis 2018 qu'on a rajouté Archives, Recherche et Mémoire étudiante. Et si on a ce rendez-vous annuel autour du 17 novembre, qui est la Journée internationale de l'étudiant depuis 1945, c'est effectivement pour confronter les archives, les mémoires et les mémoires étudiantes, mais depuis 2018, on a conscience qu'il faut absolument ancrer notre activité dans la recherche, et c'est pour ça que on va expérimenter cet après-midi une nouvelle ou encore une nouvelle manière de fonctionner pour ces journées Archives, Recherche et Mémoire étudiante, où on va avoir trois animateurs, présidents d'ateliers, chercheurs, chercheuses qui vont avoir un rôle de médiation documentaire entre des ateliers avec d'anciens militants de différentes générations, de différentes organisations, pour après faire une restitution en séance plénière ici, où on va aussi faire réagir notamment les présidents, présidentes des organisations étudiantes actuelles, parce qu'effectivement, on est conscient de l'enjeu de la transmission générationnelle, et on est aussi conscient d'un enjeu dans la recherche actuellement. Vous savez peut-être que l'ANR a lancé des appels sur les sciences participatives. Eh bien, même pour la science archivistique, avec le laboratoire Thémos de l'Université d'Angers, et notamment Patrice Marciou et Bénédicte Graille-Marciou, eh bien, on essaye aussi de réfléchir à ce que pourrait être une science archivistique participative. Donc, voilà, on va expérimenter tout cela grâce à vous, grâce à nous tous. Et donc, je ne retarde pas plus le moment de pouvoir ouvrir ces 14e journées Archives, Recherche et Mémoire étudiante. Merci à vous. Donc, au cours de cette première session qui s'appelle Revue des projets en cours, on va examiner quatre projets qui sont du coup en cours, dont l'un est quand même plutôt terminé, ce que j'ai vu sur la table de littérature dehors, mais je ne vais pas trop anticiper sur ce point. Du coup, je vous propose qu'on passe à peu près, qu'on consacre à peu près un quart d'heure pour chaque projet, si ça vous va, hein, puisque une heure, donc grosso modo, voilà, on va faire vite, on va faire vite, c'est encore mieux. Et du coup, il y aura la première intervention, ça sera du coup le banc de touche qui remplace Johanna Cassapi.
Avec, quand même. Exactement. Qui va intervenir également pour le classement des archives, donc dont on a dit peut-être quelques mots auparavant, de l'UNEFID et de la FAGE. Donc ça, ce sera le premier projet auquel on consacrera les 15 premières minutes. Ensuite, Jean-Philippe Legois et Camille Lemar, ils vont nous parler des archives des congrès étudiants et les éclats d'archives audiovisuelles sur la chaîne YouTube de la Cité, c'est ça. Que on vous invite d'ailleurs à consulter puisqu'il y a un contenu très riche. Voilà, je me permets de faire aussi cette petite publicité. Toujours Jean-Philippe Legois qui a vu décidément un rôle central ce matin, et Jacques Delpy, qui est ancien secrétaire général puis conseiller juridique de l'UNEF autour des fonds des militants de l'organisation, donc EES. Enfin, on terminera par ce qu'on vous a un petit peu annoncé, c'est-à-dire que vous pourriez déjà retrouver un peu sur la table de littérature à l'entrée de ce colloque, une présentation du projet autour des carnets d'une étudiante d'un Paris occupé, dont le livre vient de sortir, par Catherine Boileau, qui est fille de Jacqueline, de l'étudiante en question, Alain Monchablon, et Roby Mordeur, qui est vice-président et co-président du GER. Sans plus tarder, je laisse peut-être la parole à Jean-Philippe. Vous organisez comment vous voulez? Je commence. Voilà, et je ferai le gardien du temps. Non, absolument. Ouais. Alors, là, on va d'abord vous présenter le chantier en cours avec Cheikh qui, justement, est en train de... classer les archives de l'UNEFID. Donc, on va surtout vous présenter ce chantier-là, mais on va aussi vous dire quelques mots sur le chantier qui va suivre juste après, à savoir les archives de l'UFAGE de 1989 à 2000. Pourquoi on commence par l'UNEFID? Pas simplement parce que ça fait 20 ans et d'autre côté, ça fait 11 ans, mais que c'est une histoire dans l'histoire des archives, qui est encore plus longue, puisque il faut savoir que l'UNEFID, donc Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique, créée en 1980 suite à une fusion de deux autres organisations, dont je passerai le signe, mais on y reviendra cet après-midi, et qui donc se réunifie avec l'autre UNEF, qui est parfois appelé Renouveau ou Solidarité étudiante, et qu'avec nos amis du collectif pour l'histoire de l'UNEF, on a décidé d'appeler UNEF 1971-2001, parce que cette UNEF-là s'appelait l'UNEF tout court, c'est les autres qui l'appelaient l'UNEF Renouveau ou l'UNEF SE, pour les amoureux de cible. Cette Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique, on est en contact avec sa successeuse, l'UNEF réunifiée, dès que on a lancé une mission de préfiguration à Reims. On a un premier transfert d'archives du siège national à Reims, puis on emmène ces archives en région parisienne quand on se réinstalle en région parisienne. On en profite pour reprendre d'autres archives qui traînaient encore au siège de l'UNEF, qui était à côté de la place du colonel Fabien à l'époque, et on récupère aussi des bouts d'archives qui étaient à la BDIC, qui maintenant s'appelle La Contemporaine. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'on aime bien prendre l'image du puzzle pour ces archives étudiantes, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de
reconstituer les pièces. Et pourquoi il y avait des bouts d'archives de l'UNFID à la BDIC devenue la contemporaine à Nanterre? Parce que, en fait, pour l'UNEF dite la grande UNEF d'avant 1968, eh bien, il y a deux fonds principaux. Un qui est ici sous l'ancienne cote 46S, qui doit avoir une nouvelle appellation ici, mais non, je crois que c'est toujours la série AS, et donc ça doit être la cote 46AS. Et un autre fonds qui est donc toujours à la contemporaine, à Nanterre, et où on a pu compléter ces deux fonds avec les archives aussi qui avaient été sauvegardées par un ancien secrétaire général, Roger Barajas, où donc vous trouvez dans son fonds à Nanterre des archives de l'UNEF datant même de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi qu'on a pu reconstituer la correspondance de l'UNEF pendant la Seconde Guerre mondiale à partir de bouts du fonds Barajas, du fonds de l'UNEF qui est à Nanterre. Et on a même pu trouver quelques petites correspondances complémentaires dans le fonds 46R. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, première opération, pour qu'on puisse mener à bien ce chantier de classement de l'UNFID, il a fallu déjà rassembler ces petits bouts de fonds qui étaient dans des lieux différents. On a eu une première convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et notamment la direction, la sous-direction puis étudiante au sein de la DGCIP pour classer justement les archives de l'UNFID. On a pu mener à bien. Et là, nous sommes dans la phase où nous sommes en train de préparer le transfert aux archives nationales en préparant l'instrument de recherche selon les règles de l'art et selon un logiciel qui s'appelle SEUI et donc est la SEUIfication de l'instrument de recherche. Alors, ça c'est un petit détail technique, mais là où Chegg intervient, c'est que pourtant, c'est déjà une histoire compliquée, celle que je vous ai racontée, mais il y a encore des petites complications dans la complication, des contradictions dans les contradictions, c'est que là, quand on vous dit les archives de l'UNFID, les archives de la FAGE ou les archives de l'UNEF 1971-2001, on y reviendra pour le dernier cas, mais pour les deux premiers cas, ce sont les archives des bureaux nationaux. Et vous allez me dire, et on va en reparler dans l'atelier fonctionnement, qu'est-ce qui se passe dans chaque ville universitaire, qu'est-ce qui se passe dans chaque AGE, Association Générale des Étudiants, pour les UNEF, ou dans chaque fédération de ville ou fédération territoriale pour la FAGE, qu'est-ce qu'on a comme information sur la vie étudiante locale dans des fonds d'archives étudiantes nationaux? Et c'est là où on a des petits accidents qui permettent parfois de compléter de manière assez riche un fonds d'archives. C'est l'exemple que va vous développer Chegg avec l'AGE du Mans. Je n'en dis pas plus. Bonjour, bienvenue à la 14e journée Archives, Recherche et Mémoire d'étudiants. Alors moi, je suis chargé du traitement du fonds de l'UNFID et actuellement, je travaille sur la partie suivi des AGE. Par exemple, dans la partie suivie des AGE, on a l'exemple de l'AGE du Mans où le militant chargé le militant chargé du suivi de cette AGE, considérant que les archives étaient en danger, les a rapatriées au siège national de l'UNEF. Du coup, on s'est retrouvé avec ce bout de fonds d'archives à intégrer
dans le Fonds national de l'UNFID, notamment comme c'était plutôt des archives d'une AGE. Que des archives du Bureau national, il n'y avait pas que des archives qui relevaient de la période de l'UNFID. Des archives du Bureau national de l'UNFID, mais il y avait aussi des archives qui relevaient de la période de l'UNFUS, unité syndicale, UNEF, unité syndicale, voire même la période dite de la grande UNEF avant les mouvements de mai et juin 1968. Donc forcément, on a dans ces archives-là des documents plus près du terrain que des archives d'un bureau national. Exemple, on a des procès-verbaux, on a aussi des documents des conseils d'administration ou des journaux qui ne sont pas des publications des étudiants comme Le Reflet. Et avec ces types d'archives d'AGE, on peut d'autant moins se contenter plus d'une description archivistique générique, mais par la description se fait par université. Et voilà, de manière un peu globale, un peu synthétisée, ce que je fais actuellement. Avec cet exemple-là sur l'AGE du Mans, vous voyez aussi que la question qui se pose pour nous dans cette phase de préparation de l'instrument de recherche pour les proposer au comité des entrées des archives nationales, c'est que on est un peu obligé de rentrer un peu dans certains détails qui doivent permettre notamment aux chercheurs à la recherche de pouvoir saisir que même si c'est un fonds d'archives principalement du Bureau national de l'UNFID, il y a à l'intérieur quelques pépites qui peuvent intéresser un chercheur qui aurait à mener une étude un peu plus précise sur telle ou telle université. Mais évidemment, on est obligé aussi de rentrer dans le détail parce que là, on a cet accident archivistique pour l'AGE du Mans. Il y a plein d'autres AGE où, si ça se trouve, il y a soit des choses qui ont disparu, soit des archives qui sont encore dans les caves, les greniers des anciens responsables locaux, ou, par exemple, on en parlait aussi cet après-midi, encore maintenant, et avec les multiples scissions qui caractérisent le mouvement étudiant, eh bien, on peut retrouver soit chez d'actuels militants de la FAGE, soit chez des militants de l'alternative ESR, qui regroupe des syndicats locaux, Sud étudiants et la Fédération syndicale étudiante, eh bien, on peut aussi retrouver chez ces militants dont l'organisation n'existe que depuis 2-3 ans, eh bien, ils ont quand même, les uns et les autres, dans leurs armoires associatives, des bouts d'archives des années 1950-1960, quand même, apparemment, une piste à Grenoble pour des archives datant des années 30. Donc, vous voyez, c'est toujours une enquête à creuser, à compléter. Et évidemment, pour finir sur cet aspect archives nationales et archives sur l'activité étudiante locale, il y a évidemment aussi tout un travail à mener avec les collègues des archives départementales ou municipales pour, là, on a été obligé, on va dire, de prendre ces archives du Mans parce qu'elles étaient déjà dans le fond de l'UNFID, mais actuellement, par exemple, à Limoges ou à Clermont-Ferrand, nous avons des parties de fonds de ces fameuses AGE, on essaye de sauvegarder et de faire transférer aux archives départementales pour qu'elles puissent être
classer, puis accessible, puis exploiter, puis valoriser. Voilà pour ce premier exemple. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Du coup, vous voulez tout de suite enchaîner sur le deuxième ou on se réserve quelques questions pour la fin, s'il y en a une dizaine de minutes, comme on est un peu à l'avance. Ça devrait être bien. Bah, du coup, voilà. On enchaîne sans transition. On enchaîne sans transition. Voilà. Alors, le deuxième projet. On veut vous parler d'archives audiovisuelles. Alors, là, on est. Ce qui est très bien, c'est qu'on a déjà parlé un peu des organisations étudiantes au niveau national et on a parlé des archives dites traditionnelles, des archives papier. Ce qu'il faut savoir, on va dire en préambule, c'est que un des événements nationaux qui structurent les mouvements étudiants, ce sont les congrès de ces organisations étudiantes. On va dire que les organisations actuelles, d'une manière ou d'une autre, viennent toutes de ce qu'on a appelé la fameuse Grande UNEF d'avant 68, même pour la FAGE qui est créée à Strasbourg en 1989, l'ABGES, Association fédérative des étudiants, fédérative générale des étudiants de Strasbourg, est une de ces AGE qui va fêter son centenaire l'année prochaine. Et donc, c'est une AGE historique de cette dite grande UNEF. Donc, tout ça pour dire que avant 68, et même plutôt avant 1961, 62, 63, vous avez des congrès du mouvement étudiant, de l'Union nationale, qui n'ont pas à rougir de la comparaison avec les comptes rendus de congrès de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Vous avez des personnels salariés qui maîtrisent la sténographie, qui prennent en note tout ce qui est dit, qui font les commentaires comme au Parlement, de rire, applaudissements, etc. Et en tout cas, on va dire, de la fin des années 1940 jusqu'au début des années 60, on a des actes de congrès papier qui sont presque des actes de colloque, des comptes rendus de débats parlementaires. À partir de 1961, c'est là où il y a une première scission durable de la Grande UNEF, et c'est là aussi où la subvention du gouvernement baisse, voire disparaît complètement pour un certain nombre d'années au niveau national. Du coup, moins de salariés, des retards de paiement, et donc des comptes rendus de plus en plus pauvres. Vous rajoutez à cela les nouvelles scissions issues du mouvement de mai-juin 68, et vous arrivez à des mouvements qui ont du mal tout simplement à faire des comptes rendus de congrès papier qui puissent être relus après, en ayant vraiment une idée de ce qui s'est dit pendant ce congrès. Donc, nous, quand on a commencé d'abord au niveau du GERM à poser la question des archives avec les premières journées archives et mémoires étudiantes, Frédéric était déjà intervenu, Frédéric Cunier-Royer était déjà intervenu dans la deuxième journée à la CPU qui est devenue France Université. On commence ce travail de sensibilisation, on pointe juste le fait que ça pourrait être intéressant de constituer des archives audiovisuelles concernant les différents événements nationaux étudiants. Je n'en dis pas plus puisque Camille va vous dévoiler notre typologie des événements.
étudiants nationaux. Juste pour finir sur l'idée que, avec la lacune, les lacunes des comptes rendus de congrès, on essaye, par l'audiovisuel, de compenser. Et à partir des années 2004-2005, au moment où on lance la mission de préfiguration à Reims, avec l'université et la ville, eh bien, on commence à essayer de constituer ces archives audiovisuelles nationales, voire locales, quand on en a la possibilité, que ce soit sur Reims ou que ce soit sur la région parisienne. Je laisse la parole à Camille pour la suite. Bonjour. Allô, on m'entend? Alors du coup, je suis chargé de valorisation des archives audiovisuelles. Donc ça veut dire concrètement que Camille, je m'occupe de la chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes que je vous encourage à consulter. Vous tapez, normalement, vous la trouvez facilement. Donc dans ce cadre, on a trois volets de la valorisation des archives étudiantes. Premier volet, les archives audiovisuelles. Donc, à l'intérieur, il y a ce qui est fourni par les organisations syndicales et associatives, donc les congrès, les rencontres nationales annuelles et les événements spéciaux. Comme on a fait la dernière fois, on est allé enregistrer les adieux de l'ancienne présidente de l'UNEF. Donc, c'est ce type d'événement. Et il y a aussi les mobilisations dépassant les cadres organisationnel préexistant. Donc ça, ça va être des manifestations, des assemblées générales et des choses comme ça, de cet ordre-là. Ensuite, il y a aussi les archives orales. Donc ça, ça va être sur un aspect plus, ça va être strictement audio, ou en tout cas vous aurez, sur les archives audiovisuelles, j'ai oublié de dire qu'on communique sur la chaîne YouTube à travers les éclats d'archives audiovisuelles. Donc ça va être des montages qui vont regrouper des moments intéressants dans les différentes choses que j'ai évoquées tout à l'heure qui sont fournies par les organisations syndicales et associatives et les mobilisations qui sont hors de ce cadre-là. Et donc si vous voulez en voir plus, vous pouvez nous contacter sur la chaîne YouTube, vous envoyer un message et on peut vous donner accès aux vidéos non répertoriées qu'on conserve et qui sont dans leur intégralité. Vous pouvez retrouver donc ce qui est mentionné dans les archives, dans les éclats d'archives audiovisuelles. Vous pouvez avoir l'intégralité en nous contactant sur la chaîne YouTube et on vous enverra le lien. Donc ensuite, pour les archives orales, comme j'allais dire, c'est en fait des témoignages d'anciens militants. Donc, c'est des interviews qui peuvent durer plus ou moins longtemps, on va dire. Et à partir de ces interviews, encore une fois, on fait des éclats d'archives orales qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et en intégralité, vous pouvez les retrouver sur le site students.org. Et dernière catégorie, donc là on a fait les deux, archives orales, archives audiovisuelles, c'est les initiatives scientifiques de la Cité des Mémoires étudiantes et du GERM. Donc vous retrouverez les différentes playlists sur notre chaîne YouTube. Et voilà. Peut-être qu'on peut rajouter pour les archives orales, parce que du coup... on n'a pas le temps forcément de vous passer des extraits, mais pour vous donner un exemple, on avait préparé, que ce soit Guy Daniel pour La Fage, vous avez Bernard Ravenel pour la fameuse dite Grande UNEF des années pré-68, on va dire. On a déjà parlé pas mal de l'UNEF-ID, donc pour l'UNEF 1971-2001, vous avez des éclats d'archives orales aussi concernant
Dominique Tabac, qui a été la présidente de l'Association des étudiants résidents de Nanterre avant 68, peut-être que les cités universitaires et la cité universitaire de Nanterre avant 68. Et nous avons aussi le président de l'UNEF, donc 1971-2001, Patrice Leclerc, qui lui a été président juste avant le mouvement de 1986, sur lequel nous reviendrons à travers les d'autres archives audiovisuelles tout à l'heure avec Plékin. Voilà pour compléter les archives en ligne. Voilà, c'est affiché. Ben, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez, vous voulez pas en passer un petit extrait pour avoir un exemple où les personnes auront, bah, parce que, puisqu'on a un peu de temps, deux, trois minutes, juste pour découvrir un peu ce que vous pourriez découvrir vous-même après sur la chaîne. Ouais, deux minutes, on va dire. Hein. Ok. Donc, Dominique Tabac, c'est Nanterre. De l'ordinateur. C'est ça, vous voyez, Johanna Casapi. Voilà, c'est ce que... C'est ça ? Bah, on va le mettre ici. Alors, notre arrivée à Nanterre, donc, on y arrive un soir. Notre oncle nous propose de nous conduire en voiture. Donc, il nous emmène en voiture avec nos valises. On arrive à la cité vraiment en soirée. On se perd et on tombe dans le bidonville avec mon oncle. Ouf, vraiment, on perd vraiment le choc, quoi. Et on erre pour trouver cette fameuse résidence qui est introuvable. On arrive là avec nos valises, toutes nos affaires. Le gardien est là, un Cerbère, et il dit à mon oncle, ah, pas question que vous montiez, hein. Et l'ascenseur est en panne. Je ne sais plus si on habite au 5e ou 7e, le 710 et les 500, parce que je me souviens d'un nombre de numéros des chambres. Et il n'a pas le droit de monter. Pas question. Je veux dire, il est 8h du soir, on a des grosses valises, c'est nous qui les montons ou lui, il reste dans le haut. Les hommes ne peuvent pas monter. Même un oncle, pour monter les valises de ses nièces, ne peut pas monter dans la série. Non, mais ça donne l'esprit quand même. C'est incroyable. Alors là, c'est une autre sidération. Voilà. Nous dormons là, on laissera peut-être découvrir cette. Voilà, la suite. Là, vous pourrez voir, c'est généralement éclat d'archives orales, c'est des petits montages d'une quinzaine de minutes. Et après, les témoignages peuvent durer une heure et demie, deux heures, voire 8 heures quand il s'agit de Prisca Bachelet. Bien. Voilà, bon, ben, ça, c'était le deuxième projet qu'on a présenté ce matin. Jean-Philippe, décidément, t'es sollicité puisque si Jacques Delpy il est là, d'ailleurs, je voudrais intervenir. Voilà. Oui. Vous voulez venir avec nous? Oui. Voilà. Oui, parce que malheureusement, Jacques Delpy est hospitalisé, a priori, c'est pas trop grave, mais il va suivre les examens. Donc. Il a écrit un texte. Et c'est son petit film. Il va le lire. Alors, en introduction au texte de Jacques, donc là, c'est en fait le troisième chantier dans la convention commune. Hein, on vous a parlé des archives de structure, on vous a parlé des archives audiovisuelles. Et le troisième chantier, c'est en fait le premier chantier sur lequel on avait déjà travaillé avec les archives nationales, à savoir les archives de militantes ou de militants. On a déjà dans la sous-série AS
qui est attribué à notre convention. On a déjà le fonds de Prisca Bachelet, les fonds de Pierre-Yves Cosset, de Paul Boucher, et j'en oublie sûrement d'autres. Je regarde Magali Jalais, elle a ça en tête. Enfin, il y en a deux autres, ça reviendra plus tard. Et là, du coup, on va vous présenter deux autres fonds. Sur une période encore importante, hein, puisque nous sommes dans l'année du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. La guerre d'Algérie a été une période importante pour le mouvement étudiant en France, on va même dire pour l'histoire du mouvement étudiant en France et pour l'histoire de l'Union nationale des étudiants de France, pardon, puisque et Jacques Delpy en est l'exemple idéalistique, on pourrait dire, hein, puisque c'est la génération de 1956 peut voir quoi prendre position contre la guerre d'Algérie. Et c'est là où on va avoir le débat entre ce qu'on appellera les minots et les majots. Les majots, anciennement majoritaires, ne voulant pas prendre position, et les minots qui vont devenir majoritaires en 1956, voulant prendre position contre la guerre d'Algérie. Je laisse la parole. À mon grand-père, du coup, par voilà. Position. À Jacques Delpy. Par le biais de voilà. Donc, depuis longtemps, j'ai aidé à éviter la disparition des archives étudiantes et ce ne fut pas la chose facile et la bataille n'est pas terminée. Il était donc naturel que je m'occupe quelque peu des miennes et la demande de M. Legois répondait à mes préoccupations. Il aurait fallu distinguer ces archives en plusieurs parties, les archives administratives du ministère du Travail, parce qu'il a travaillé là-bas, les archives publiques, l'Ours, le Club Jean Moulin, Madame Claire Andrieux, et les archives régionales du Valais et du Quercy, puisqu'il a eu une activité là-bas aussi. D'un fonds historique aussi déposé au centre des archives diplomatiques, des archives juridiques et de sa thèse de doctorat. Mais alors, quelle serait la singularité des archives étudiantes? D'abord, il repense à un flot de visages étudiants, des militants étudiants avec lesquels il a travaillé, Claude Rossignol, Albert Rotner, Jacques Julliard, Robert Chapuis, Olivier Burgelin, Gaston Bordet, Claude Neuschwander, David Duin, Gabriel Mignot, Gérard Bloch, Guy Marty, Henri Comte, enfin, je ne vais pas tous les faire, je sais pas, c'est comme vous voulez. Et il y a ces archives étudiantes, elles ont été surtout centrées sur la question du niveau de vie des étudiants, comment, enfin, et sur la structuration de la vie locale avec les AG, les corporations, et la vie conviviale, les bals, les choses comme ça. Il y a aussi les archives au niveau du Bureau national, les manifestations. Corporatifs qu'ils ont fait ensemble, le travail qu'ils ont effectué autour de la bourse et des rémunérations étudiantes, et tout ce qui a trait au budget d'éducation nationale et d'enseignement supérieur. Il y a aussi ce qui a trait à l'organisation de l'enseignement supérieur et de sa marchandisation, avec toutes les nouvelles écoles privées qu'on voit qui sont structurées depuis un certain temps. Et la vie syndicale, alors, il y a des exemples de rapports entre lui et Jacques Julliard ou la gestion de la trésorerie de l'AUNEF. Et en conclusion, il voulait remercier pour le travail archivistique à venir qui devrait intéresser les jeunes chercheurs. Et s'il a un souhait à formuler, c'est que les documents qui restent protégés par les règles applicables en matière de procédure collective aux affaires de l'AUNEF fassent l'objet d'un examen global. Là, on a deux
point important dans ce que nous dit Jacques Delpy, il y a les archives de l'activité étudiante et, pour préparer cette rencontre, Jacques a complété d'archives, notamment sur l'AGE de Toulouse, où on voit effectivement certaines activités locales. Et il pourrait encore compléter son fonds d'autres activités qu'il a eu à gérer plus tard, au moment où la MNEF, Mutuelle Nationale des Étudiants de France, a été déjà une liquidation en 2001. Enfin bon. En gros, il a été appelé à la rescousse pour remettre de l'ordre dans la mutuelle, ce qui finalement a été quelque peu problématique puisqu'ils ont dû quand même la liquider. Mais en tout cas, ce sont aussi d'autres archives étudiantes. Les archives de l'AMNEF, c'est une question que on se pose avec les archives de France depuis 2001, je crois. Par 2001, on pose la question, Robbie Morder et moi-même, dans un article des Cahiers du GERN, et c'est dans les années 2007-2008 que on relaie cette préoccupation auprès des archives de France, et pour l'instant, ni les archives de France ni nous n'avons réussi à réveiller le liquidateur de l'AMNEF pour qu'il daigne rendre ses archives au patrimoine national. Toujours, de toute façon, il y a toujours des pistes. Donc, en tout cas, voilà, si jamais le liquidateur voit la diffusion de cette vidéo, nous sommes toujours à sa disposition pour sauvegarder les archives de la Mutuelle nationale des étudiants de France et la rendre au patrimoine national. Voilà, donc après, dernière chose par rapport au fonds d'archives de militants. Donc là, vous voyez, on a l'exemple de Jacques Delpy, on a d'autres fonds de militants qui pourront rejoindre les archives nationales de cette génération-là également, et donc ça pourra être aussi dans notre programme 2023, où on a aussi les archives de Chapuis, par exemple, qui sont très riches. Là, pour cette année, en plus des archives de Jacques Delpy, on veut aussi sauvegarder et rendre accessibles les archives de Pierre-Marc Lachaud, parce que c'est une autre histoire. Pierre-Marc Lachaud a été le président d'une première scission du NEF, mais une scission qui n'a duré qu'un an, la scission du Mouvement des étudiants de France en 1957. Et cette scission réintégrant l'UNEF en 1958. On le salue aussi, puisqu'il a aussi quelques problèmes de santé, Marc Lachaud aussi. Et donc Pierre-Marc Lachaud a des archives qui vont pouvoir aussi compléter cette période clé de 1956-57, où le mouvement étudiant se divise sur la guerre d'Algérie. Voilà pour cette partie. Parfait. Je complète juste par rapport, Magali me donne la petite fiche complète de la sous-série 203 AS. Donc, vous avez déjà ici consultable, en plus de Prisca Bachelet, de Paul Boucher et de Pierre-Yves Cosset, vous avez aussi les archives de François Boréda, autre homme important de cette génération de 1956. Et lui paraît, lui, c'est plus la génération 68. Ben, merci beaucoup. Du coup, on va peut-être enchaîner sur le dernier projet présenté. On va changer. On va changer de setting. Ouais. Si vous avez des questions sur ce qui a déjà été dit, ça peut-être être là. Et après,
On enchaîne sur les carnets d'étudiantes de Jacqueline Norin. C'est peut-être le mieux. Effectivement. Pas de souci. S'il y a des questions. Merci, c'est qu'on a été très clair. Ah, il y a une question. Sébastien Bachelet. Donc, de l'UNEF 1971, 2001, dans tous les projets que vous avez, vous avez beaucoup cité les fonds nationaux et les fonds de l'Assemblée générale et des fonds personnels. Quand il n'y a pas, ce qui est notre cas d'archives nationales, le travail autour de retrouver des archives globales sont de fait beaucoup plus compliqués. Et c'est un des projets sur lesquels vous travaillez aussi. Alors, je sais qu'on en parlera assez cet après-midi, mais je pense que c'est important aussi de comprendre que c'est vraiment le bon moment de trouver de nouvelles archives. Et donc, tous ceux qui pourraient avoir, quelle que soit l'organisation, des archives. Puis, je rajouterais, tu as parlé de la NEF, je voudrais étendre ça à toutes les organisations dans lesquelles le mouvement étudiant a une place qui méritera à un moment donné, mais ça veut dire des moyens, ça veut dire du temps, ça veut dire des gens pour s'en occuper, aussi un regard, et peut-être que ce serait important aussi que sur certaines organisations qui existent toujours, là en l'occurrence je pense à l'Union nationale des sciences sportives de plein air, où l'UNEF a historiquement une place au conseil d'administration depuis sa fondation en 64. Aujourd'hui encore, l'UNEF y est présente. Je crois même qu'actuellement, elle doit être vice-présidente. De voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que on n'ait pas à rechercher dans 20 ans les archives d'aujourd'hui. Et donc, qu'on puisse travailler sur ces questions. Voilà, quelques bribes de choses qui me semblent compléter ce que vous avez dit. Et je ne sais pas si ça amène une réponse, mais en tous les cas, je suis preneur. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour cette question, parce que ça me permet effectivement de préciser un peu notre chantier futur pour l'UNEF 1971-2001. Voilà. Là, on est effectivement encore dans la phase de collecte des archives auprès des anciens militants, des anciennes militantes, Frédéric Genevet et Guillaume Wabian, qui sont les deux chefs d'orchestre, on va dire, mais je ne suis pas seul. Je sais que tu les aimes. Il y en a d'autres, nombreux et nombreuses qui les aident. Mais oui, là, ils ont encore quelques transferts d'archives à nous faire dans nos locaux d'Aubervilliers pour qu'on puisse entamer ce chantier, ce nouveau chantier de classement. Et ce qui est vrai, ce qui est important, c'est de souligner, comme tu l'as fait, le fait que le étudiant fait partie d'autres mouvements. On pourrait dire que l'AMNEF, c'est presque un mouvement étudiant, puisque dans son objet, après sa série finale, la composante étudiante était de plus en plus minorée, mais il y avait encore une composante étudiante, alors que ce que tu soulignes, c'est aussi, et là du coup ça me permet de saluer Jonathan Landau, qui est archiviste FONGEP, chargé du PAGEP, on a dans d'autres associations d'éducation, de jeunesse et d'éducation populaire, parfois des participations de l'UNEF ou des mouvements étudiants, donc Sébastien parlait du CPA, je crois que Jonathan a repéré des traces étudiantes à l'OTU, l'Office du tourisme universitaire, mais je crois qu'il y en a encore d'autres sphères. Et donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a rajouté le terme de recherche dans l'intitulé de nos journées, c'est qu'on a aussi un travail de
signalement, comme disent nos collègues bibliothécaires, c'est de pouvoir dire dans un fonds étudiant, il y a aussi des choses qui peuvent intéresser ceux qui veulent s'intéresser au mouvement sportif ou au mouvement, je sais pas, des tourisme universitaire. Il y a même tout le monde ne sait pas que le festival de théâtre de Nancy, créé par Jacques Lang, c'est d'abord une création étudiante. Après, ça va devenir autre chose. Mais donc, on peut avoir des historiens du théâtre, des historiens peut-être du cinéma, qui vont repérer un petit film étudiant qui va être après les premières armes d'un cinéaste qui va se développer dans d'autres cadres. Mais donc, on a ce travail de signalement à faire. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ça fait déjà un moment, ça fait 2-3 ans là, que j'entends parler de la Cité des mémoires étudiantes et du GERB. Et là, je suis content là, de prendre l'ampleur là, de cette organisation-là en CLUC. Donc, félicitations là, à toute l'équipe du GERB là, et de la Cité des mémoires étudiantes. Petite question là, en lien avec les archives orales qui ont été présentées. Est-ce que lorsque vous faites de la collecte, il y a quelque chose tel que des archives orales qui ont déjà été collectées par ces associations-là? Et y a-t-il, par exemple, des enregistrements radiophoniques qui ont été produits par ces organisations-là, travaillant moi-même sur ces questions-là? Donc, je me demande s'il n'y a pas déjà un rapport à cette collecte-là qui a été assumé par ces militants-là, s'ils ont déjà eux-mêmes enregistré des documents, puis est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous les collectez? Et peut-être en fin de question, là, si le petit-fils de M. Delpy pouvait se nommer, là, ça pourrait être pertinent. Merci. Sur la question d'enregistrement radiophonique, moi, j'ai pas de souvenir de mon grand-père qui m'a expliqué des choses à ce sujet. Il a surtout du papier, lui. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez lui récupérer ses archives, ses brouillons, ses, ce qu'il a écrit, ses notes, des choses comme ça. Après, sur... voilà, c'est... Que Simon-Olivier Gagnon, voulait juste que tu nous donnes ton prénom. Ah, pardon, excusez-moi. Lucien, je m'appelle Lucien d'Armagnac. Voilà. Ouais. Ah ben, et tout ça, alors. Et donc pour compléter, je voyais Sébastien qui réagissait derrière Simon Olivier. Par exemple, pour ce chantier-là de l'UNEF 1971-2001, ce n'est pas des archives radiophoniques que l'on a, en tout cas, pas en notre connaissance, mais on est encore dans la phase de collecte. Donc, ainsi. Si des anciens et des anciennes de 1971-2001 écoutent cette rediffusion, ils ont enregistré des émissions de radio à très bonne heure. Par contre, on a des archives sonores. Et notamment, le collectif pour l'histoire de l'UNEF a réussi à retrouver l'enregistrement complet du congrès de Saint-Étienne de 1987. Intéressant à pouvoir exploiter. Côté congrès la ville Grand UNEF, on a à notre connaissance des enregistrements qui ne sont pas forcément complets, mais assez riche. Le congrès de Marseille en décembre 68 et le congrès d'Orléans 1968. Bande qui était aussi dans le fonds Barents à la BDIC devenue la contemporaine et que la contemporaine a numérisé. Et Fiona Kazapi, une petite émission de radio remis mémoire sur Radio Campus Paris avec ses bandes d'Orléans. Fort intéressant. Les trois phrases vont être les suivantes. C'est juste pour en fait nous rappeler là, l'éventail des types de documents qui peuvent être collectés en matière d'archives sonores.
lors de la collecte d'archives orales du mouvement étudiant du printemps étudiant québécois qui a eu lieu en 2012. Par un pur hasard, le conjoint de la dame que je rencontrais commençait à me montrer des photos très intéressantes, des vidéos très intéressantes, et par un détour de conservation, de conversation, il est venu par présenter 4 documents d'enregistrement sonore, de field recording, comme on dit, de manif, dans lequel on entendait très distinctement les slogans de manif. Là, donc, ce serait fascinant de voir s'il n'y a pas de tels documents qui pourraient être... là, ce serait plus de l'ordre de technicien de son ou d'ingénieur de son, ou des gens qui prennent du son. Là. Bref, je voulais seulement ajouter ces phrases-là pour nous rappeler les sons de manif, quoi. On en discutera peut-être après, mais je connais quelqu'un qui a fait le même travail autour des années 2000, autour de la même période d'ailleurs, et qui est employé de la mairie de Paris, mais ce travail, voilà, tout ça pour dire que le temps est terminé, mais qui faisait ce travail à titre bénévole dans les AG, dans les manifs, etc., avec un micro, et c'était la seule personne un peu bienvenue dans les AG étudiantes, surtout dans lesquelles on rajoutait les journalistes, etc. Lui, il était le bienvenu. Donc, mais on a... C'est effectivement ce qu'on a fait aussi pour le mouvement contre le CPE et contre la LRU. On était autorisé à filmer dans les coordinations nationales étudiantes en dehors des médias officiels. Et on a filmé aussi quelques manifs, donc on a aussi du son. Mais c'est l'audiovisuel. Frédéric Cunier-Royer, des anciens amis de la FAGE. Moi, j'avais deux remarques. C'est effectivement, il y a cette question autour des archives radiophoniques. Tous ceux qui avaient le téléphone portable et la vidéo, en fait, c'était quand même là-dessus, avec notamment les radios étudiantes, ou les radios de campus ou universitaires qui pouvaient y avoir. Il y a peut-être des points, des choses à chercher aussi. Hein. Je me souviens avoir participé à quantité d'émissions de radio à l'époque, dans les radios locales, sur voilà, quelle situation, quelle activité étudiante, pourquoi les étudiants étaient dans la rue, ou de débats à l'occasion des élections grosses aussi, par exemple. Le deuxième point que j'avais, c'était sur la collecte des archives orales. Et c'est vrai qu'on s'était nous posé la question à l'occasion du confinement, pour occuper un peu les gens et puis maintenir le lien, et occuper de se dire, surtout qu'avec la visio, c'était beaucoup plus facile techniquement quand même de capter quelque chose, de l'organiser, de planter un créneau. Mais c'était de savoir, quand on prend 8 heures, c'est vrai qu'il y a des anciens qui sont bavards et ça rajoute parfois un petit peu, mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à, si on veut par exemple dans le cadre de notre réseau d'anciens organiser ce type d'activité, est-ce qu'il faudrait une grille, quelque chose, un guide, ou alors forcément une participation de la cité pour pouvoir les collecter? Parce que voilà, une heure, deux heures, est-ce qu'un présente son parcours, ça peut être une chose. Si c'est effectivement, ça doit être un investissement plus long, c'est pas forcément la même chose. Dans ce cas, il faut forcément plus que travailler. Donc c'était savoir quel était le curseur en termes d'utilité, d'efficacité par rapport à cet engagement. Merci. Oui, bah c'est une très bonne question, réponse rapide. Regarder la suite. C'est effectivement quelque chose qu'on a pu aussi expérimenter avec le collectif pour l'histoire de l'UNEF, puisque là, on avait des anciens qui étaient mobilisés et qui étaient un peu traumatisés par la perte des archives de leur organisation 20 ans plus tôt. Donc, effectivement, avec plusieurs d'entre eux, avec Robbie Mordeur-Roger, avec Yona Kazapi, on a fait du témoignage de Guy Konopnicki. On avait déjà recueilli le témoignage de Sébastien, on avait recueilli le témoignage de Patrice Leclerc, de Dominique Tabat, et du coup, Frédéric Genevet et Guillaume Wavian, qui ont suivi un peu nos premières collectes, en ont fait d'autres, et du coup, ils reprennent un peu le questionnaire parcours de vie qu'on a au niveau de la Cité des mémoires étudiantes. Ils enregistrent en son numérique et déposent à la Cité des mémoires étudiantes après, à charge à nous de faire le traitement archivistique
se voit pour des archives orales. Sujet et je laisse. Ben, merci beaucoup. Du coup, on va peut-être changer de setting dans la table. Donc, si Roby Mordaire et Alain Monchablon pouvaient me rejoindre et Catherine Boileau, du coup, elle sera par vidéoconférence. Elle est déjà bien présente depuis quelques minutes. Bonjour, merci à Catherine d'être présente. On l'a prévenue un peu tard qu'elle pouvait assister au reste. Donc, comme vous avez vu, elle a assisté en direct ces dix dernières minutes. Et pour qu'elle sache, elle est donc sur grand écran depuis 10 minutes. Mais c'est très bien d'être parmi nous. Donc, on a prévu que Catherine dise d'abord quelques mots. C'est en tant que, pas exactement autrice, mais pas loin de... C'est la fille de l'autrice. Et puis ensuite, Alain et moi-même compléterons pour quelques minutes sur la manière dont ça s'est passé. Oui, tu veux pas brandir. Oui, alors je brandis le livre. Voilà. Catherine ne l'a pas encore reçu. Je me suis renseigné hier, donc ça ne va pas tarder. C'est le diffuseur. Donc on se renseigne auprès du diffuseur à qui on a donné l'ordre. Et donc, il y en a un certain nombre ici, et il sera en librairie à partir du 24. Nous l'avons en avant-première, et voilà. Donc, Catherine... tu peux sortir. Ok. Tu peux sortir, on vient. Allez-y. Alors, comment je vais faire ? Je vous raconte ma vie de fille de l'autrice. Donc, pendant un déménagement de Jacqueline, j'ai pris l'habitude de l'appeler Jacqueline maintenant. C'est ma maman, mais je l'appelle Jacqueline parce que j'ai découvert une jeune étudiante que je n'avais jamais rencontrée, que je ne connaissais pas, et qui, plus tard dans sa vie, ne nous a jamais parlé des carnets. Quand je dis nous, c'est nous sommes trois enfants de Jacqueline et de son mari Jacques, Alain et Marie-France, et nous n'avions jamais entendu parler de ces carnets, et nous les avons découverts dans un petit carton à l'occasion du déménagement du dernier appartement de Jacqueline, et elle était toujours vivante. Elle nous avait fait don de cet appartement et à charge pour nous de le vider et de répartir. Voilà. Et donc, j'ai vu ce petit carton, je l'ai ouvert, il y avait 5-6 carnets. Je les ai feuilletés, vous savez comme on fait dans un déménagement, je les ai feuilletés assez vite. J'ai vu qu'il y avait une accumulation de citations littéraires de la main de Jacqueline, et je me suis dit, bon, ben ça, c'était quand elle a fait ses études en auditrice libre à la Sorbonne en lettres. Et tout de même, j'ai dit à Alain et Marie-France, écoutez, si vous voulez bien, je prends le carton et les carnets, et puis à l'occasion, je les examinerai et je vous dirai ce qu'il y a dedans et ce que nous pouvons en faire. Voilà. Et puis, Jacqueline est décédée en 2017 et je me suis portée volontaire pour faire un livre hommage sur elle, parce qu'elle a eu un magnifique parcours professionnel de mère de famille super occupée avec un petit diplôme d'infirmière. J'ai appelé ça l'envol forcé. À son sujet, elle a dû faire une analyse personnelle après la séparation de nos parents, puis une analyse didactique. Finalement, elle est devenue psychanalyste, puis psychosomaticienne. Voilà. Donc, je voulais faire un livre hommage à notre maman, et donc j'ai examiné un petit peu plus avant les carnets.
Et il y a des textes qui m'ont plu, qui ont attiré mon attention, notamment un brouillon de lettres à Georges Duhamel, où elle l'invitait à une audition que ma tante et marraine Yvonne Loriot, plus tard Messiaen, allait interpréter chez sa marraine Nelly Sivad Eminger. Voilà. Qui était sa professeure de piano. Et donc, elle invitait Georges Duhamel. Et puis, en regardant des documents qui étaient dans le même carton, j'ai vu que Georges Duhamel avait répondu que, bien sûr, il viendrait avec son épouse, Blanche Albane, à cette audition. Voilà. Et donc, la joie de Jacqueline, j'ai pu la lire aussi, la découvrir dans les carnets. Puis j'avais mis aussi un autre passage qui m'avait plu, bien sûr, c'est Jacqueline complètement révoltée parce que, donc ça c'est en 1940, hein, ce que je vous raconte, complètement révoltée parce qu'un soldat allemand était présent dans l'amphithéâtre. Et là j'étais merveilleusement surprise parce que Jacqueline, qui était une petite femme très discrète et plutôt taciturne, s'était levée dans l'amphithéâtre pour dire qu'il ne fallait pas assister au cours et pour essayer d'entraîner les autres étudiants dans la cour. Voilà, faire une espèce de grève spontanée. Donc ça, voilà, ces extraits-là, je les avais mis dans le livre hommage. Et puis, j'en ai édité 25 exemplaires pour les très proches de Jacqueline. Et quand même, j'avais joint une lettre proposant de travailler plus avant sur les carnets. Parce que je voyais bien qu'il y avait quand même des choses très intéressantes pour qu'il souhaitait la découvrir un peu mieux. Et puis, je n'ai pas eu de réponse, pas d'encouragement là. Et comme beaucoup de gens, le premier confinement a été difficile, mais aussi bénéfique. Et donc, je me suis mise tout de même à partir de mars 2020 à la découverte de l'ensemble des carnets, et plus j'ai avancé, en passant, en étudiant bien quand même, le plus sérieusement que j'ai pu, les citations littéraires, parce que tout ça est enchevêtré. Et quelquefois, il n'y a même pas de date ou de passage de ce que Jacqueline pensait à ces citations littéraires. Voilà. Donc j'ai essayé de bien discerner qui avait écrit quoi. Heureusement qu'on a Internet et que les citations sont très souvent répertoriées. Hein. Donc, j'ai cessé d'attribuer à Jacqueline des choses qui étaient d'autres grands, d'autres grands auteurs. Et puis, tout ça, ce travail de transcription, parce que l'écriture de Jacqueline est très unique, mais pas forcément facile à déchiffrer, j'ai mis un an et demi à peu près à transcrire la totalité des carnets. Il y en a 5 en tout. Et il y a notamment les carnets, puisqu'elle a continué ce travail d'écriture pendant qu'elle était étudiante infirmière à l'hôpital Saint-Joseph. Et là, on a une description du Paris misérable et de ce que peuvent vivre et découvrir les stagiaires infirmières qui, et dans leur cursus, apparemment, M. Morder me l'a expliqué, et M. Monchablon, il y avait un assistanat social dont les études étaient très, très, très importantes. Et voilà, et puis... un jour, j'étais sur le 11 novembre 40 et je me suis dit, mais ah, il faut quand même que je recoupe, puisque Jacqueline a écrit qu'elle y était à la manifestation, il faut tout de même que je recoupe, il y a peut-être d'autres témoignages. Et donc, je recoupe avec ces témoignages et que je complète mes connaissances.
Et puis, je suis tombée sur ce petit tract qui est qualifié d'historique. Et je l'ai vu une quinzaine de fois dans ma recherche. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ce texte, il me dit quelque chose, le texte de ce tract. Alors, je l'ai retrouvé avant le 7 novembre dans les carnets de Jacqueline. Texto, exactement le même. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'en fait, l'écriture était semblable entre le tract historique et le tract qui se trouve dans les carnets de Jacqueline. Et là, je me suis dit, mais c'est probablement la même écriture, simplement, elle se connaît, elle sait qu'elle écrit pas très lisiblement. Et donc, elle s'est appliquée sur le tract historique qui devait être transmis, probablement pas reproduit, puisque. Et donc, j'ai soumis cette presque découverte à mon mari, qui est passionné d'études de manuscrits, parce qu'il est collectionneur de lettres anciennes. Et il m'a répondu, oui, ça, c'est la même écriture. J'ai demandé à mon frère, qui lui est photographe et qui donc est assez pointilleux aussi dans ses recherches, et il m'a confirmé. Et donc, c'est là que, en lisant mieux les mentions autour du tract historique, j'ai vu que Robbie Morder et M. Monchablon étaient à la recherche de qui avait écrit ce tract. Alors, je vous ai envoyé un mail à chacun circonstancié avec une photo de ce tract sur le carnet et puis le document que vous connaissez bien puisque vous l'avez vous-même publié sur Internet. Et voilà comment le contact s'est fait, s'est prolongé. Et donc, moi, j'ai avancé... J'ai fait appel pour l'édition privée, entre guillemets, et familiale, entre guillemets aussi, puisqu'on en a édité 45. J'ai fait appel à des professionnels de l'édition, à mon amie Ariane Lamoureux, qui est correctrice et qui a été éditrice dans son parcours professionnel, et puis un monsieur aussi qui édite des livres en professionnel. Et donc, ensuite, j'ai envoyé un livre à chacun des deux chercheurs intéressés par... voilà. Merci beaucoup. Peut-être on va leur laisser la parole, du coup, comme ça, ils vont compléter bien cette genèse. Mais merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Sur l'aspect archive fantôme, fantôme d'archive, sur ce 11, le tract du 11 novembre, ce qui est... extraordinaire, c'est effectivement, Catherine Boileau l'a dit, la ressemblance de ce tract, celui qui est déposé à la Contemporaine, et l'écriture de Jacqueline Boileau. Je crois que ça, pour moi, ça ne fait pas un pli, je crois que je ne suis pas un adepte des simplifications d'habitude. Bon, ce qui était étonnant, c'est que c'est le seul, celui qui est à la Contemporaine, c'est le seul qui nous soit parvenu. Alors qu'on en a des descriptions par des témoins, des participants à la manifestation, ceux qui ont été interrogés par la police et qui ont bien dû expliquer pourquoi ils étaient à la manifestation, la police française, etc. Et la description qu'ils disent que c'est un tract qui les a fait venir, bon, d'autres ont dit que c'était simplement oral, bien sûr, mais ceux qui parlent d'un tract décrivent un tract format demi un cahier coupé en deux, écriture manuscrite, etc. C'est-à-dire exactement ce qui recoupe ce qui décrit le tract et de la BDIC et recopié sur le papier de Jacqueline. Alors, ça lève une partie du voile d'ignorance qui recouvre la question de qui a appelé à la manifestation. Ça lève une partie, puisque
Jacqueline est l'autrice, on dit autrice, d'avoir recopié. Alors, en combien d'exemplaires, on n'en sait rien. Et par quel procédé exactement, on ne le sait pas non plus. Elle recopie à la main des dizaines de fois, peut-être, après tout. Elle écrit beaucoup, elle recopie les textes de grands auteurs, etc. Bon. Donc, on a ça, et on a... alors, comment est-ce que ça a été diffusé? Le journal est quand même prudent, c'est-à-dire que elle écrit pour son tiroir, mais nous sommes sous l'occupation et elle ne commet pas d'indiscrétion en général. Il y a des moments où elle emploie des initiales pour parler de gens, etc. Enfin, donc, elle ne se vante pas, elle ne donne pas le détail de la façon dont elle a non seulement recopié le tract, mais l'a diffusé. Et elle ne le dit pas non plus où elle est allée chercher l'original. Donc, absolument. On a un exemple de diffusion qui ne peut pas être le seul et on ne connaît pas les autres. Donc, on a levé une partie du voile et effectivement, c'est un des aspects que je considère comme extrêmement important dans la publication du carnet. Je n'ai pas le seul, je vais passer la parole à Romy parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce livre, mais autour de ce document, on est aux archives nationales, on a une sorte de trésor d'archives qui nous est arrivé dessus. Est-ce que je peux intervenir? Je peux intervenir si là? Si c'est possible, très très rapidement. Oui, oui, non, je voulais juste dire que là, moi, je me suis... je savais, après avoir lu tous ces textes, qu'elle était quasiment en permanence à la bibliothèque de la Sorbonne. Hein. Et là, évidemment, c'est une supposition, mais je pense qu'un groupe d'étudiants est venu la voir et lui a confié ses textes à copier. Voilà. Oui, c'est tout à fait plausible. Si on prend l'exemple de Pierre Rostini à Aix, un peu plus tard, en 1942, il raconte que ses premiers actes de résistance, c'était d'aller à la bibliothèque et glisser des tracts ou des feuillets dans les livres de la bibliothèque. Alors, au-delà du tract, bon, les carnets, alors je parle à la fois en tant que préfacier avec Alain Germe, mais aussi côté éditeur Sidebs, puisqu'il faut saluer l'éditeur, puisqu'au départ, on avait plus ou moins, nous, envisagé de faire que la partie Sorbonne, et à la lecture de l'ensemble, on s'est dit non, il y a tout de même, par de l'unité des fonds, en archivistique, là, il y a quelque chose de global qui va au-delà du tract de la Sorbonne, et quelque chose qui a convaincu, mais assez rapidement, même avec assez d'enthousiasme, mes amis des éditions Sileps, de par l'originalité, bon, c'est pas les ouvrages habituels de la collection Germe, en général de Sileps. Et je crois qu'il faut souligner que l'ensemble, hein, puisque c'est à la fois la Sorbonne et les études d'élèves infirmières à Saint-Joseph, que cet ensemble constitue un objet, car c'est pas un témoignage a posteriori, c'est effectivement écrit, c'est comme un journal écrit au moment même, comme Anne Frank a tenu son journal, bon, c'est pas les mêmes conditions, hein, mais c'est un peu le même type d'écriture, quoi, c'est au jour le jour. Ça nous apprend beaucoup sur Jacqueline, et évidemment, ses réflexions, ses pensées, qui sont très souvent d'avant-garde, moi je dirais, sur les questions, par exemple, de droit à l'avortement, de la moralisation, enfin de la tentative de moraliser les pauvres auprès de qui elle est en stage, on est vraiment dans l'actualité. C'est-à-dire, effectivement, elle se scandalise du fait qu'on dise à des pauvres bénéficiaires de l'assistance sociale, qu'on leur fasse la morale en disant vous devriez faire ci, pas faire ça, alors que déjà qu'ils n'ont pas grand-chose comme joie dans la vie, on va en plus. Bon. Donc tout ça est quelque chose d'intéressant. On a travaillé sur les illustrations pour reproduire au maximum non seulement les photos de famille, mais
Il faut souligner les dessins photos de Tina Rubio, hein, qui sont dedans. Alors, pour conclure, on va continuer à faire la promotion. On espère pouvoir faire quelque chose en Sorbonne, hein, en Sorbonne même, sur les lieux du crime, j'ose dire. Hein, de toute façon, ailleurs, je sais que Catherine a des contacts avec des libraires, a déjà programmé des lectures, y compris en lycée dans le sud-est, hein, là où elle habite. Hein. Alain Monchablon a déjà pris contact avec le libraire de d'Ivry, un libraire d'Ivry en bas. On va essayer de faire pareil d'ailleurs, et on va essayer de coordonner tout ça pour pouvoir faire connaître, hein, ces carnets, et surtout aussi, on a, je conclue par ça, fermant l'exemple idéal typique d'une rencontre entre témoignages, documents d'époque, objets muséaux. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a, vous le verrez dans le livre, il y a la petite croix de Lorraine, il y a la broche, il y a des photos. Donc, je sais que tout ceci va arriver au musée, à l'espace muséal étudiant de Nancy en 2023. Vous traitez ça directement entre la cité et vous-même. Mais tout ça est un... Et puis, évidemment, en articulation avec la recherche, puisqu'on a travaillé sur la contextualisation, sur les notes, en rappelant une chose tout de même pour tout le monde, surtout pour tout le monde, c'est qu'on écrit pour les générations d'aujourd'hui, les jeunes générations, et donc il faut beaucoup faire de notes pour expliquer un nom qui nous semble connu à nous, un événement, et effectivement, c'est un travail tout à fait intéressant sur lequel, d'ailleurs, on apprend des choses. Ayant moi-même enseigné en école d'élèves infirmières, j'ai beaucoup découvert sur l'histoire de la formation chez les élèves infirmières depuis quelques décennies. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas, parce qu'on est déjà en retard, mais est-ce qu'on se réserve quand même 5 minutes avec l'accord de la session d'après, ou... Juste 5 minutes, s'il y a eu une ou deux questions, réaction, et puis je laisserai, je ferai autorité, du coup je laisserai peut-être. Oui, j'aurais voulu laisser la parole à Madame Wallot, mais c'était juste pour dire qu'il y a peut-être un lien à faire avec le concours national de la résistance et de la déportation, parce que je pense que ça peut être un très bon support de diffusion avec le ministère. Oui, vous pouvez compléter juste donner une précision, c'est que Jacqueline, en fait, était la sœur aînée d'Yvonne Loriot-Messiaen. Et donc, la jeune soliste pour laquelle elle avait invité Georges Duhamel, c'était Yvonne. Et là, ça a l'air d'intéresser beaucoup la Fondation Messiaen, qui va travailler sur le thème des études pianistiques d'Yvonne. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question, réaction, vraiment toute dernière? Je vu qu'il y a des gens qui s'étaient levés dans la salle, mais non. Bon. Merci beaucoup les participants, et notamment à à la session d'après, du coup, Jean-Philippe, je retourne sur scène. Marc Roby, tu peux rester, hein, puisque, en fait, on repart de la 8e journée Archives et mémoire étudiante. Ce n'était pas encore la journée Archives, recherche et mémoire étudiante. On était en 2016, c'était les 30 ans du mouvement de novembre-décembre 1986 contre la loi de Vaquet. Et à l'époque, on était parti sur deux types de sources audiovisuelles. Les archives Joseph Murder, tu peux dire un mot, et le film de Victor Candel, Francis Candel, dont
de Vaquet, si tu savais. Voilà. Donc, Hélène va nous parler après. Et moi, son âme, je charge. Je n'ai pas préparé là-dessus. Non, c'est bon. C'est pour ça que Fourby va commencer comme ça. Sur Joseph, c'est bien. Bon, oui, je n'avais pas préparé, mais bon, c'est super. Donc, Joseph Morder, c'est un cinéaste, super 8, c'est mon frère. Hein. Bon, il est avec une caméra à la place de l'œil, et il l'a toujours. Et notamment, il tient un journal filmé, et d'une part, les archives Morlock, hein, du nom de l'Académie Morlock, fondée dans le fondateur Joseph Morder lui-même, et puis quelques autres, dont Gérard Courant, pour ceux qui le connaissent. Bon, c'est un petit milieu du super 8, cinéma expérimental issu des années 70. Et donc, c'est des archives Morlock qui nous intéressent en tant qu'archives, qui sont en train d'ailleurs d'être numérisées, ainsi que le journal filmé. Une partie des archives est à la vidéothèque de Paris, comment ça s'appelle maintenant, le Forum des images, et d'un autre côté, la BNF est en train de numériser son journal filmé. Voilà, alors on avait eu en 2016, donc on avait eu à la fois Joseph et Francis dans la même séance, Joseph ayant tout simplement filmé les manifestations comme il filme les 1er mai, quand il n'est pas là, par exemple cette année, il m'a obligé à sortir, comme il était aux États-Unis, il m'a obligé à Chicago, donc c'est le 1er mai à Chicago, il m'a forcé quasiment à aller tenir le 1er mai, donc il doit y avoir une ou deux minutes sur un téléphone portable. Bon, dans les manifs, on y va plutôt légèrement. Tant qu'il est court. Donc voilà, donc il avait filmé quelques manifestations de 86 qui ont été numérisées. Donc il y a, je crois qu'il y en a pour 4 ou 5 minutes au total, je ne sais plus, 4 ou 5 minutes, donc qui ont été numérisées par la Cité des Mémoires étudiantes pour l'occasion et dont on avait projeté un certain nombre de choses. Au moment de la JAM, la Journée Archives des Mémoires étudiantes, tenue ici même, à l'étage pour du moins cette séance. Donc, je dis un mot sur Francis Candel ou... Oui, non, très bien, vas-y. Non, c'est... Si. Moi, je parlerai sur autre chose. D'accord. Francis Candel, lui... avec comment il s'appelle l'autre, ils ont été deux à filmer... en 86, notamment autour de Jussieu, dont ce que j'ai en fait. Autour de Jussieu, c'est un film qui a été fait, y compris avec eux, ce qu'ils ont tourné, beaucoup d'interviews aussi, de témoignages après coup, mais c'est dans l'année qui suit, hein, notamment de Gérard Courtois du Monde, et sans oublier. Ce qui poserait des problèmes de droit si on passait à un stade supérieur, c'est des documents qu'il filmait à la télévision, les journaux télévisés. Donc, évidemment, c'est tout de même soumis à, si jamais on en fait quelque chose, puisque, voilà, je conclue le projet, ce projet qu'on avait et qu'on va essayer d'avancer. On sait que tout est souvent très long. Mais on y arrive, on finit par y arriver, on est assez opiniâtre. Le projet, c'est effectivement de sortir un DVD avec le film, ou au moins ce qu'on peut en faire, avec des témoignages ultérieurs, c'est-à-dire en faire non pas simplement une copie, mais vraiment travailler sur un DVD, enfin, sur un tout autre support où on lit le film ou cet élément-là et ce qui a pu être fait après en retrouvant des témoins avec des documents, photos, documents d'archives, etc. C'est l'idée. Bon, voilà. Candel est quelqu'un de très pris. Il travaille sous Bolloré. Au comité, enfin, CSE de Canal+, et de la chaîne, vous pouvez comprendre qu'il a énormément
de travail, d'occupation et de préoccupation de ce côté-là, et puisque Bolloré ne lui laisse pas le temps de faire ce qu'on voudrait, nous, qu'il fasse, si on était ses patrons. Voilà. Très bien. Parce que du coup, là, vous avez, par exemple, l'état de où on en est pour la question des archives audiovisuelles par rapport au mouvement de novembre-décembre 86. Tout à l'heure, avec Camille, on vous a parlé des archives audiovisuelles qu'on essaye de collecter in vivo depuis 2004-2005. Là, on est dans une quête rétrospective. Donc, et on est face à un mouvement, comme Camille le disait, ces mobilisations qui dépassent les cadres organisationnels préexistants. Là, maintenant, on va vous présenter deux extraits d'un côté des archives télévisuelles, grâce au partenariat qu'on a avec l'Institut national de l'audiovisuel. Donc, c'est deux reportages où même les organisations étudiantes n'apparaissent pas trop, mais pour ceux qui connaissent cette période, ils reconnaîtront plutôt des militants de l'UNAFID à qui on donne la parole. Et vous aurez après deux autres extraits issus de Cinéarchive. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran actuellement. Cinéarchive étant, comme il se définit eux-mêmes, la cinémathèque du Parti communiste français. Et donc, dès les années 80, le Parti communiste filme, fait des reportages audiovisuels sur, sur le mouvement social, sur l'actualité politique. Et du coup, là, vous allez avoir des reportages qui donnent la parole à l'autre UNEF. L'UNEF 1971-2001. Et après, on va discuter avec Hélène des enjeux que ça pose, parce qu'effectivement, si le Parti communiste n'avait pas tourné ces films-là, si Cinéarchive n'existait pas et n'avait pas numérisé, valorisé, rendu accessible ces archives, eh bien, le risque, c'est qu'on n'ait que la mémoire audiovisuelle des reportages télévisuels qui ne donnaient la parole qu'à certains qu'à certaines organisations. Donc il y a ça comme enjeu, en plus de l'enjeu de conservation, de valorisation. À vous la parole. Bon, si je peux rajouter juste une chose, sinon je vais l'oublier. Quand Malik Kousekin a été tourné, le film récent que je n'ai toujours pas vu, mais paraît qu'il est pas mal, j'avais eu un coup de téléphone d'une des documentalistes du film et qui me demande « je voudrais vous… Bon, je savais que vous connaissez bien et tout, vous êtes spécialiste. Bon, est-ce que je voudrais que vous me disiez quel était le logo de l'UNEF sur les banderoles, parce que là, j'ai plein de logos UNEF. Et je ne voudrais pas me tromper. » Et je lui dis, vous avez bien fait de m'appeler, parce qu'à l'époque, dans les manifs, il ne fallait surtout pas de logo de l'UNEF, d'une quelconque UNEF que ce soit et d'autres, sur les banderoles. Et il m'a dit, ah bon, merci. Voilà, au moins, on a permis de ne pas faire une erreur historique. Voilà, bon, c'est à ça qu'on sert aussi. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, ben je pense que la contextualisation, et vous l'avez déjà faite, et qu'après, justement, on va pouvoir retravailler et rediscuter de cette question, en fait, des points de vue que vous avez introduites, c'est-à-dire que la question qui se pose quand on est face à des documents audiovisuels qui doivent être critiqués comme n'importe quelle source, évidemment, mais croisés avec d'autres pour écrire une histoire, eh bien, c'est notamment de se poser la question de leur contexte de production. Et qui, en gros, va tenir la caméra
si ce n'est pas physiquement, forcément, voilà, finalement, est à l'origine de la production de ces images, à qui, justement, on va donner la parole. Donc, il y a toute une chaîne à interroger qui est assez spécifique quand même à cette production des archives audiovisuelles sur laquelle il faudra, à mon avis, se pencher. Et là, c'est une étude de cas tout à fait intéressante, évidemment, autour de 86 et du mouvement de Vaquet. Donc avant de lancer la diffusion, vous pourrez jeter un œil sur le dossier des tout nouveaux cahiers du germe qui vient de sortir et d'arriver de chez l'imprimeur dès ce matin grâce à Alain Monchablon et Robbie Murder. Le dossier, c'est autour d'une UNEF, une UNEF qui peut en cacher une autre. Eh bien, effectivement, là, vous allez voir que vous avez une première UNEF qui va vous être présentée dans les reportages télé et une autre UNEF grâce à Cinéarchive. Donc là, vous avez vu, c'est ce que Simon-Olivier Gagnon évoquait tout à l'heure pour le mouvement de 2012 du printemps québécois dit injustement érable. Je sais que ça énerve certains, qu'on l'appelle érable. En tout cas, là, vous avez effectivement des vues de manifestation avec des sonores plus ou moins audibles. Et puis, vous avez aussi, je pense, des extraits d'une conférence de presse de cette autre UNEF pour les États généraux de mars 1987. Le premier qui parle, c'est Éric Lafond, étudiant en histoire à Paris 1. Le deuxième, moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si... C'est Philippe Brissot qui avait arrivé sur scène maintenant. D'accord. Et il était étudiant dans quelle fac, dans quelle discipline? Bon, pas grave. Mais en tout cas, du coup, là, du coup, vous avez une autre UNEF, un autre son de cloche. Et on va juste... Après la petite remarque de Robbie, on va laisser la parole à Hélène pour cerner l'enjeu de ce type d'archives audiovisuelles, sachant que il y aurait eu un autre extrait qu'on aurait pu passer si on avait plus de temps. C'est dans ces 20 minutes, il y a aussi un extrait du discours de Marc Rossetti, qui était aussi un des responsables de cette autre UNEF lors de ses états généraux à Paris 8, Vincennes samedi. Oui, c'est juste une question. Je ne suis pas sûr que ce soit conforme. Alors, est-ce que c'est une conférence de presse UNEF ou est-ce que c'est une conférence de presse du comité pour des états généraux donc, c'est... Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est effectivement. Oui. Je pense que c'était le CNL, le Comité National. Coordination nationale. Mais c'était le. Bon, enfin, bon, ça me reviendra. Nous avons eu des longues nuits de discussion avant. Les états généraux ont duré 3 jours et 3 nuits. Bon. Justement, c'était pour dire que les premiers états généraux qu'on voit, c'est dans l'amphi Richelieu. Et ça nous renvoie à l'amphi Richelieu de Jacqueline. Voilà, c'était juste. Alors, quelques remarques que je vais formuler, puis qui vont être assez brèves, étant donné l'heure déjà avancée. Elles vont finalement être assez déconnectées de l'histoire même des mouvements étudiants, dont je ne suis pas du tout spécialiste, comme vous l'aurez compris. Moi, j'ai des études cinématographiques et je m'intéresse aux archives audiovisuelles et quand même à cette dimension évidemment spécifique des mémoires audiovisuelles pour écrire certains points de l'histoire, puisqu'en l'occurrence, le travail que vous faites autour des mouvements étudiants, y compris donc d'identification évidemment très précise des lieux, des personnes que l'on voit sur les images, liées ou pas à des événements précis, en tout cas ce travail vraiment de contextualisation, je le mène moi-même avec Nadia Ringard autour de l'histoire des mouvements féministes et singulièrement du mouvement Libération des femmes dans les années 70 en France, au sein du projet Bobine Féministe. Donc, je suis évidemment extrêmement sensible à cette démarche, mais je ne suis pas donc spécialiste de cette histoire des mouvements étudiants.
Mais là encore, les résonances sont extrêmement fortes, et a fortiori quand il s'agit vraiment d'histoires ancrées dans des enjeux politiques. Tu le rappelais tout à l'heure, Jean-Philippe, dans l'introduction, Bruno Ricard également, c'est combien, et puis ça a été rappelé, combien donc les archives audiovisuelles constituent un ensemble, un pan, un corpus documentaire extrêmement important pour écrire cette histoire, et finalement relativement peu exploré, peu exploité. Alors certes, il s'agit pour l'audiovisuel d'un médium relativement récent, enfin, tout est relatif si on s'intéresse évidemment à l'histoire des techniques argentiques, c'est quand même plus de 100 ans maintenant, mais bon, en tout cas, en termes de ressources, c'est aussi dans l'exploitation par les historiens et les historiennes relativement récent, parce que c'était quand même pendant longtemps... Tiens, certes, mais disons, ça a été une source considérée comme pas très 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 légitime pendant longtemps, et c'est finalement l'histoire culturelle essentiellement qui a accueilli cette question de l'histoire du cinéma, et aussi donc dans ce passage à partir aussi de cette question de l'usage des sources audiovisuelles pour écrire l'histoire plus généralement. Alors, on est au cœur d'enjeux techniques et d'enjeux médiatiques. Comme je le disais juste en introduction, il me semble que la question centrale va rejoindre des questions techniques et donc au-delà de ça aussi, d'ailleurs des questions de droit, des questions en tout cas de pouvoir, hein, dans cette articulation à la question de la constitution d'un savoir de fait. Donc on a comme ça une espèce de chaîne aussi des archives qu'il faut considérer quand on s'intéresse à l'audiovisuel, c'est-à-dire au moment de la production et de la diffusion, il y a toute la chaîne elle-même dans laquelle s'inscrit l'objet audiovisuel, qu'il s'agisse de rushs, d'archives non montées ou bien d'éléments audiovisuels qui ont été diffusés, donc qui ont fait l'objet de toute une chaîne. Et quoi qu'il en soit, il y a un moment qui est celui de la production. Il y a la post-production, le cas échéant, quand il y a un montage, et il y a évidemment la question de la diffusion. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'historiens et historiennes, on s'intéresse évidemment tout particulièrement aussi à ce qui va venir après, à savoir cette question de la conservation, de l'accès à ces sources aujourd'hui, d'où la nécessité de se lancer dans des campagnes fortes de collecte. Là, je parle de collecte, pas, vous le faites par ailleurs, la collecte de sources orales filmées ou pas aujourd'hui, mais là, je parle de la collecte d'archives antérieures. C'est un travail extrêmement important, évidemment, que de retrouver dans les caves, les greniers, là aussi, ces supports audiovisuels, ces documents audiovisuels que l'on a longtemps laissés de côté, finalement, voilà, pour des raisons diverses et variées, mais d'ailleurs aussi des questions techniques, des questions de méconnaissance, hein, dans le milieu des archives. Ça, tu en as souvent parlé dans d'autres cadres, Jean-Philippe, évidemment. Les archives audiovisuelles ne sont pas des archives qui ont d'emblée été intégrées dans ces processus même de conservation, même si en l'occurrence aujourd'hui au niveau des archives nationales, évidemment, il y a tout un pôle audiovisuel, et j'imagine que Martine signe. Bima Baru serait très intéressée évidemment par travailler aussi sur la dimension archivistique audiovisuelle de vos fonds. Donc cette question de la collecte aujourd'hui, les retrouver ces sources pour écrire l'histoire des mouvements étudiants, et la question du coup de leur traitement, c'est une question absolument centrale. Et là, on en revient ensuite à cette question donc, du contexte de production et ensuite de diffusion, c'est finalement en quelle technique aussi toutes ces archives qui peuvent nous intéresser pour écrire cette histoire des mouvements étudiants ont été, dans quel format elles ont été ces archives tournées. Tu citais évidemment ton frère donc, Joseph Mander, qui lui a tourné en Super 8, qui est une technique qui est, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais c'est dit substandard, ça n'est pas entre guillemets une technique, un format professionnel, c'est beaucoup plus fragile, et dans l'histoire des techniques audiovisuelles, on se confronte à ce problème de l'obsolescence technique accélérée, et en l'occurrence dans les années 70 par exemple, a émergé la vidéo analogique légère, qui a fait l'objet d'une appropriation dans les milieux militants, et notamment à l'université de Vincennes aussi, si on se place du point de vue en l'occurrence aussi de la question des mouvements étudiants, il y a eu une grosse production à la fois dans et hors de l'institution vincennoise post-68, qui était donc les débuts de l'université de Vincennes, qui deviendra Paris 8 à Saint-Denis, et une grosse production. Sauf que cette production qui a été réalisée en vidéo analogique, demi-pouce à l'époque, elle est aujourd'hui extrêmement difficile à sauvegarder. Les techniques
de sauvegarde exige qu'on retrouve le matériel de lecture de l'époque, etc. Bon, ça, c'est vrai pour l'exemple que je suis en train de donner de la vidéo analogique des années 70. Là, ce n'est pas, en l'occurrence, pour 86, la technique a été utilisée. Mais là, je voyais sur le site aussi d'archives que c'est de l'humatique. C'est de l'humatique, c'est de la vidéo, c'est du 3/4 pouce, qui aujourd'hui est un matériel qui devient aussi, qui est totalement obsolète, qui peut être encore transféré, mais ne l'est pas sans difficulté. Et là, en l'occurrence, quand on retrouve aujourd'hui ces supports audiovisuels, ben, il faut savoir à quoi on a affaire techniquement, savoir comment les traiter, avoir les bons partenaires, Archives nationales, Bibliothèque nationale de France probablement aussi, en tout cas moi c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé avec la BNF autour de la vidéo des premiers temps et des mouvements féministes. Je pense que la contemporaine, du point de vue des rushs par exemple, et je pense aux rushs du film de Francis Candel, de Vaquer si tu savais, qui sont vraiment des rushs qui seraient extrêmement intéressants de voir sauvegarder pour pouvoir là vraiment travailler sur ces sources d'époque. Donc la contemporaine est très intéressée par les rushs, parce que c'est encore un autre problème, la question des rushs de films non montés ou de ce qui est considéré comme des documents entre guillemets, avec mille guillemets, amateurs. Et souvent dans les mouvances militantes, on est à cheval sur finalement une part déjà assez de groupes institutionnalisés presque. Je parle d'institutionnalisation, pas au sens fort, en l'occurrence, de, vraiment, là, par exemple, pour l'université, je ne parle pas de production de l'université, mais disons des groupes qui, quand même, étaient assez, finalement, structurés, même si des mouvements informels, potentiellement, par ailleurs. Ça cheval, donc, sur quelque chose qui pouvait être, quand même, assez, assez collectif, assez formalisé, malgré tout, dans de l'informel politique, et puis de l'amateur complètement individuel, le côté l'image film de famille. Et on est souvent sur des registres comme ça, qui fait qu'on a une espèce de vide, souvent de traitement de ces fonds d'archives audiovisuelles qui nous intéressent là pour les mouvements militants, parce que si on revient à l'exemple que vous venez de montrer là, c'est que quand on est sur des sources audiovisuelles, des archives audiovisuelles produites par les mouvements militants eux-mêmes, soit par les acteurs et actrices directement concernés, soit par des mouvances militantes amies, comme ça va avoir, comme c'est le cas par exemple de ce qu'on peut retrouver aussi dans un certain nombre de documents, notamment au sein de Cinéarchives, eh bien, on va être dans un point de vue, l'expression d'un point de vue qui n'a rien à voir avec l'expression du point de vue de la télévision de l'époque, évidemment. Et là, on retombe sur nos pattes par rapport à ce que vous disiez au début, évidemment, c'est que le point de vue ne va pas être le même. Et c'est extrêmement important d'essayer de retrouver, en fait, ces documents internes au mouvement, non seulement produits de l'intérieur du mouvement, parce que précisément ils sont porteurs donc d'autres points de vue, d'autres éléments qui en général n'ont pas été retenus par les médias hégémoniques. Évidemment, là on est même dans la logique, évidemment, même déjà post-68 par exemple, si on repense à toutes les affiches sérigraphiées de contestation de tous les domaines médiatiques hégémoniques, évidemment là il y a un autre point de vue. D'ailleurs la vidéo à l'époque était brandie comme celle qui allait pouvoir s'opposer à la télévision, ça dans ses racines dans les années 70. Et peut-être, alors, j'ai pris 2-3 notes tout à l'heure, c'est pas du tout ce que j'ai dit là, mais il était question là de Paris 8, hein, puisque j'en viens, je le dis, on a eu l'occasion beaucoup de travailler ensemble, notamment autour des 50 ans de l'université Paris 8, qui donc est l'université de Vincennes, créée en 69, enfin 68, mais qui ouvre ses portes aux étudiants et étudiantes, en fait. Il y a discussion sur la date, mais en gros, c'est janvier 69, hein, on peut dire ça, hein, même s'il y a une grosse discussion là-dessus en interne. Donc, début 69, janvier 69. Et là, en fait, il y a eu une énorme production audiovisuelle et qui, alors pour le coup, est dépositrice de plein d'événements, alors jusqu'à des années très récentes, hein, qui sont vraiment liés au mouvement étudiant. Et bien, ces archives, on a beaucoup travaillé dessus ensemble, mais elles restent très largement encore à sauvegarder. Tout ça pour indiquer que je pense qu'il y a vraiment un énorme chantier. C'est très bien que vous l'identifiez, à mon avis, comme ça, autour des archives audiovisuelles, et qui n'est pas que de la production actuelle absolument nécessaire, qui va, à mon avis, poser des problèmes de sauvegarde monstrueux. Ça a été évoqué brièvement tout à l'heure, hein, avec la vidéo numérique, mais vraiment de collecte de ce qui a été fait antérieurement, sachant qu'on est déjà en grande difficulté pour sauvegarder beaucoup de techniques, notamment pour la vidéo. C'est un peu moins vrai pour l'argentique, qui, par certains côtés, tient mieux la route. Ça, c'est son côté photochimique. Voilà. Je me suis un peu écartée de ce que j'avais prévu. Mais... Pas de souci, pas de souci. C'est très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut
Je vous applaudir et on va aller tout de suite sans transition pouvoir monter à l'étage et des plateaux repas nous attendent et on remercie encore les Archives nationales pour cela, pour les intervenants, tout à fait.